J'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour un nouveau vlog. Nous sommes jeudi, il est 10h20, comme d'hab, hein, vous êtes habitués. Je ne suis pas maquillée, pas prête, rien. Je suis debout depuis 8h ce matin, mais j'ai passé un petit coup d'aspi. Et c'est tout ce que j'ai fait, puisque j'ai regardé quelques vidéos YouTube que je n'avais pas regardées cette semaine. J'ai l'impression que vous êtes à moitié fou. Bref, on s'en fout. Les bars ont rouvert hier. Les terrasses ont rouvert hier. Et tantôt, normalement, je vois une de mes collègues en terrasse. Ça va faire du bien de retourner boire un coup en terrasse. Sinon, oui, il faut que je me refasse épiler. Mais avec la rouverture, ils ont eu énormément de rendez-vous. Et moi, je me suis réveillée bien trop tard pour prendre un rendez-vous. Du coup, j'ai rendez-vous que le 31. Donc, vous me verrez avec mes poils jusqu'au 31. Et pareil, Mylène, je t'aime beaucoup, mais là, il faut absolument qu'on se revoie et on se revoit lundi. Donc, vous verrez ça dans ce vlog-là, puisque je vous mettrai ce vlog-là, je pense, lundi soir ou mardi. Je pense plus mardi. Je vous ai tourné une vidéo que vous aurez eue là aujourd'hui. Enfin, pour vous, ça aurait été jeudi, mais pour moi, c'est aujourd'hui. Parce que je vous ai abandonné quand même 10 jours. Mais bon, après, franchement, je ne pense pas que je vous ai manqué tant que ça non plus. Je suis d'accord, je suis une énorme star YouTube, mais quand même, quoi, faut pas abuser. Non, je rigole. Comme je vous ai dit dans la vidéo de jeudi, du coup, Matt est en vacances à partir de ce soir, mais ça va pas du tout m'empêcher de filmer. Au contraire, on va peut-être faire un peu plus de choses. On va peut-être sortir un petit peu, je sais pas. Moi, je ne suis pas en vacances. Je reprends le travail lundi, mais ce week-end, on va peut-être se faire un resto. On aimerait bien revoir nos amis, vous savez, qui ont la petite, parce que Matt, ça fait longtemps, bien plus longtemps que moi, qu'il les ai vus. Mais ça y est, notre copine a repris le travail aussi, elle travaille dans le commerce, donc il faut qu'on voie avec eux si on se voit ou pas dimanche, soit chez eux, soit chez nous, mais on aimerait bien aller chez eux, parce qu'ils ont fait des travaux, et on aimerait bien voir la chambre de notre poupette, qui va bientôt avoir 1 an, c'est ouf. J'ai l'impression que je vous parlais de sa naissance il y a peu de temps et dans 1 mois, elle a 1 an. Bref, oui bref, c'est habitué. Je sens que je vais énormément blablater pendant ce vlog, ça fait trop longtemps que je vous ai pris. Mais voilà, je me suis reposée, enfin bref, allez voir la vidéo de jeudi, je vous explique un peu tout. C'était un make-up blabla pour revenir un peu puisque ça faisait 10 jours que je vous avais pas du tout parlé. Et que j'avais pas posté et j'ai pris un peu de vacances pour moi. C'est vrai que depuis le mois de décembre où je vous ai fait une vidéo par jour, j'ai énormément filmé, en tout cas je trouve, à part le mois de janvier où vous savez que j'avais pris pratiquement tout le mois de janvier pour moi. Mais j'ai beaucoup 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 filmé, plus le travail et tout, plus bah faut dire hein, les confinements à un moment donné ça vous tape sur le système aussi. Et ben là je crois que j'étais fatiguée. Et donc ça m'a fait du bien et on repart pour quelques mois comme ça normalement sans s'arrêter. On part toujours le week-end du 19 juin à Center Park avec mes beaux-parents et du coup mes parents seront pas là. Ils ont prévu un autre voyage et qui est bien plus important à mes yeux et j'ai préféré qu'ils partent à ce voyage-là que de venir avec nous à Center Park franchement. Donc, Center Park avec mes parents, on leur fera peut-être en fin d'année. De toute façon, on leur fera. Du coup, là, il y aura peut-être ma belle-sœur et son copain. On sait pas trop. Mais en tout cas, nous, on se casse. Et ça c'est trop. J'ai tellement hâte de revoir Mylène parce que mes ongles, d'une, il y a une repousse de ouf. Et là, il est cassé. Puis ça ressemble plus à rien. C'était très joli. J'ai adoré cette manucure. Mais la prochaine manucure, vous allez voir, c'est trop canon ce que m'a proposé Mylène. Et je suis trop contente. J'ai su aussi avec Justine que Justine avait été faire ses ongles. C'était très 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 sympa aussi. Donc voilà, je pense que je vous aurais dit pas mal de choses. Il y a des choses que je vous ai parlé dans la vidéo de jeudi que je vais vous montrer dans ce vlog-là également. Et ben, je pense que pour le moment, c'est déjà pas mal. J'ai réorganisé un tout petit peu ma cuisine. Mon monsieur cuisine, en fait, je l'ai mis là. Et derrière ma porte, j'ai mis une rallonge parce que sinon, c'est trop court pour aller jusqu'à la prise. Et je m'en sers beaucoup plus parce que là-bas, dans le coin, c'était pas du tout pratique pour tout ce qui était pesé parce qu'il devait pas être droit et tout. Que là, il est droit et donc, je m'en sers beaucoup plus.
Cette semaine, on a fait un riz au lait, on a fait de la purée, de la viande hachée, on a fait plein plein de trucs et que je faisais pas avant parce que il me faisait chier là-bas en fait quoi. Donc voilà. Bref, il est 10h moins quart. Va falloir se bouger un peu les miches, Bérénice. On me dirait que j'ai pas énormément de choses à faire. Mais ma tranche midi, donc je vais faire des escalopes avec des petites pommes de terre sautées. Parce que je n'ai plus de friteuse. J'ai jeté ma friteuse, j'en avais ras-le-bol, elle était sale. Je l'ai nettoyée à donf, à la main, plus une fois la machine à laver. Et tout le panier avait pété et tout. Et vous savez, moi, c'est une friteuse que je mets sur ma plaque à induction, qui n'est pas du tout électrique. Je ne supporte pas les friteuses électriques. Je trouve ça extrêmement chiant à nettoyer. Que ce genre de friteuse, c'est très bien. Ça m'a coûté 15 balles. Et elle m'a duré 2 ans et elle était très bien, mais je l'ai jetée et je n'en ai pas racheté parce que je n'en ai pas retrouvé. Donc si j'en retrouve une là, j'en rachèterai une. Du coup, on ne mange plus de frites en ce moment. Mais j'ai envie de frites. Sinon, qu'est-ce que j'avais à vous dire? Pas grand-chose. Hein. Vous allez avoir des vidéos qui vont sortir, mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai franchement en plus, voilà, j'ai pris 10 jours. Mais en plus, j'ai pas franchement d'idée de vidéo à vous faire. Je vais pas vous dire que j'ai plein de trucs à vous faire. Parce que j'ai pas trop trop de trucs à vous. Enfin, j'ai pas d'idée. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Je sais que vous aurez eu une vidéo Chine avant ce vlog. Vous allez avoir une vidéo Chine, mais pas du tout avec moi. Mais en partenariat avec moi, mais pour la fête des mamans. Donc, ça sera ma maman, la star de cette vidéo. J'ai hâte de vous la poster, mais il faut encore que je la monte. Sinon aussi, vous allez avoir un tag que j'avais vu sur la chaîne de Au pays de Jenny. Et puis, voilà. Et je vous ai tellement abandonné, c'est un truc de ouf. Du coup, je n'arrête pas de blablater. Il va y avoir beaucoup de blabla dans ce vlog. Bon, allez, je vous laisse. Je vous emmènerai peut-être tantôt en terrasse. Peut-être. Mais c'est vrai que nous, les terrasses ont rouvert partout en France. Mais le soleil n'a pas rouvert partout en France. Hein. Là, aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Hier, il a fait plutôt beau. Frais, mais beau. Mais alors là, il n'y a même pas de soleil, quoi. Il ne perce même pas le soleil. Il n'en a rien à foutre de nous. Il est resté dans le sud. Il n'en a rien à foutre des Normands, quoi. Et je pense que beaucoup d'autres régions sont dans le même cas que nous. Donc, que voulez-vous, c'est comme ça. On va pas trop en demander non plus. Si on se fait pas de resto là, parce que à cause du temps, on se fera un resto quand tout rouvrira vraiment correctement. C'est comme ça, nous, les terrasses, c'est la vie. Moi, du moment que les gens ont repris le taf et qu'ils sont contents et qu'on puisse reprendre un petit peu de la vie, ça va être cool. Et je suis sûre que ça va se voir sur le visage des gens. Qui devenaient aigris, franchement, et que là, ils vont reprendre le sourire. Donc, ça, c'est cool. Voilà. Je vous laisse. Je pense que j'ai rien à vous dire. Donc, à tout à l'heure. Je vous ai pas encore beaucoup pris pour ce vlog, mais le vlog n'est pas terminé. On est samedi, il est 10h35, je suis debout depuis 9h, j'ai extrêmement mal dormi. Alors attendez, je vais recommencer depuis hier. Hier, on n'a rien fait, franchement, j'ai regardé la saison 2 de Qui a tué Sarah. J'aime trop cette série, c'est sur Netflix, donc dites-moi si vous l'avez déjà regardée. Je pense que je vais me remettre à regarder Riverdale aussi. Je m'étais arrêtée, je crois, à la saison 2. Je suis en retard. Sinon, on n'a rien fait pour vous dire. Je me suis lavée, j'ai pris ma douche à 18h hier. J'ai été faire 2-3 courses. On a mangé une raclette. Voilà. Mais vraiment, d'une, je me sens pas du tout au top depuis quelques jours. J'ai hyper mal au niveau des ovaires. Non, je ne suis pas enceinte. On sait. Voilà, je n'y suis pas. Et au début, franchement, je croyais que c'était ça. Je me suis dit, oh,
c'est la nidation, tout ça. Peut-être que je sais que ça peut provoquer des douleurs. On va pas se mettre en contre-jour. Mais non, non, c'est pas ça. Donc je sais pas ce que c'est. Ou est-ce que ce sont mes règles qui commencent à me travailler. Mais ça m'a jamais fait ça. Tout à l'heure, j'étais pas au top de ma forme. Écoutez, ça va un petit peu mieux. Aujourd'hui, là, Mathias n'est pas là. Il est en vacances, hein, toujours, mais il n'est pas là, là, ce matin. Je vais passer la spie partout, faire quelques poussières, allumer des bougies, etc. Et tantôt, je pense que je ferai également le haut, la salle de bain, le linge et ma pièce. J'aimerais tout ranger, mon meuble Alex. Ça fait bien trop longtemps que je l'ai rangé et ça me plaît pas, en fait. Je laisse tout mon make-up dedans, hein. Mais donc je pense que je le rangerai avec vous. Je sais pas si votre chat fait ça, mais Ruby, des fois, elle gratte par terre. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais par terre, ou elle va se mettre sur un meuble, elle va gratter. Enfin, un peu chelou, cette petite chatte. C'est notre petit bébé. Donc, voilà. Peut-être qu'on va se faire un resto ce midi, mais franchement, je suis pas sûre. Parce que c'est les terrasses, et nous, en Normandie, comme je vous ai dit, franchement, c'est compliqué, il fait pas très très bon. Demain après-midi, on va avoir des amis, ce qui va nous faire un bien de ouf. Et puis, voilà pour le moment. Mais là, il faut que je fasse du ménage. Hier, je n'ai rien fait. Je crois que ça ne m'arrive jamais de ne rien faire comme ça. Et du coup, de n'avoir rien fait, bah, je ne suis pas fatiguée. Et cette nuit, je me suis endormie, il était 4h30. D'une, parce que je ne me sentais pas très bien. Et de deux, j'étais pas fatiguée. Quoi. Et Mathias ronflait à côté. Donc, j'espère que je vais tenir toute la journée pour pouvoir dormir cette nuit. Parce que ça m'énerve. Depuis que j'ai fini mes nuits, là, je les ai finies quand? Je sais même plus. Mardi matin, je dors extrêmement mal. Donc, voilà. On va commencer déjà par un petit café. Et puis ensuite, on va faire full ménage. J'ai la vidéo Shein à ma partie à vous tourner pour vous mettre ça en ligne ce soir. Donc, il va falloir que je me motive un peu, mais je le sens que je vais être motivée. J'espère. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire à Justine. Donc, quand vous verrez le vlog, ça sera trop tard. Mais je souhaite un joyeux anniversaire à Justine. Je sais que des fois, je sais qu'elle regarde mes vlogs. Donc, bon anniversaire, Ju. Et puis, voilà. J'ai hâte d'être à lundi pour faire mes ongles parce que ils sont en train de casser. Celui-ci, mon pouce, il a cassé. C'est catastrophique. Heureusement que ma sauveuse Mylène est là. Donc voilà. Bref, je vous dis à tout. Bon, me revoilà. Il est tard. Il est 21h30, il me semble, un truc comme ça. Je vous ai pas du tout pris de la journée. Pourquoi? Parce qu'on n'a rien fait. Je pense que ça se voit à ma tête. Je n'ai rien fait. Mathias a rangé un peu son garage. Il lui reste pas mal de choses à ranger. Et moi, je suis en train, 21h30, je me suis motivée à ranger ma pièce. Et j'aimerais, vous savez, réorganiser mon meuble Alex qui est juste là. Attendez, j'essaye de vous faire de la place. Oh, attendez. Vous allez voir à peu près. Et je voudrais ranger toutes mes cases parce que c'est le bordel. Là, il y a deux cases qui servent strictement à rien. Il y a deux trucs dedans, ça m'énerve. Et je me demande si sur Shein, je ne vais pas racheter, vous savez, les blocs en plexi comme ça parce qu'ils sont super bien. Et par exemple, mes produits teints, ça déborde. J'en ai d'autres sur le bureau que j'arrive toujours pas à ranger, que je ne sais pas où mettre parce que ça déborde. Alors, ça me saoule. Pareil, mes produits soins. Je voudrais faire également un tri. Là, je vais mettre sur Vinted. Je vous ai remis d'ailleurs sur Vinted des vêtements. Je vous remets mon Vinted ici. Je vous ai remis quelques vêtements grande taille. Il faut que je refasse encore le tri. Pour le moment, c'est ce que j'ai vu vite fait en rangeant. Et je vais vous mettre deux produits make-up neufs, toujours emballés. Un fond de teint ELF que moi, j'aime énormément. Mais je l'ai encore là. Et comme j'aime trop tester d'autres fonds de teint, il faut que je le vende parce que à force, il va plus être bon. Et un fond de teint Shein que j'avais acheté, mais que je ne me suis jamais servi. Donc, je vais mettre tout ça en vente. Et je vais voir si j'ai des produits neufs, soins, etc., que je ne me sers pas. Je pense que je vais tout vous mettre en vente parce que ça ne sert à rien de garder. Je trouve que c'est nul de garder pour garder. Donc, voilà. Comme ça, une fois que j'aurai rangé tout ça,
Lundi, pourquoi pas, je voudrais vous filmer un peu ma pièce beauté. Et vous avez été souvent à me demander ce que j'avais dans mon meuble Alex, ma collection make-up. Donc, je vais vous montrer tout ça. Et puis, je me rends compte en plus qu'il y a des produits que j'ai toujours pas utilisés et qu'il faut que j'utilise parce que faut que je teste. Donc, voilà. Je pense pas avoir grand-chose non plus à vendre de ouf, mais il faut que je débarrasse ce que je me sers pas. Je trouve que ça sert strictement à rien. Donc voilà. Bref, moi je range tout ça. Je vous reprendrai demain. Je vous montre pas le rangement parce que sinon je vois pas l'intérêt de la vidéo que je vais vous tourner après. Du moins sur mon meuble Alex et sur le bureau où vous êtes posé. Donc voilà. Je sais pas si vous m'avez tout à fait compris. En tout cas, je me suis reposée un peu du fait que j'avais pas dormi cette nuit. Et ce soir, j'ai à moitié mal au crâne. Mais bon, c'est pas grave. Ce soir, mes beaux-parents, ils sont venus manger. Mais avec le couvre-feu de 21h, ils sont déjà partis. J'ai rien fait à manger. On a été acheter à emporter, en fait. Dans un restaurant qu'on va régulièrement juste à côté de la maison. Et également, vous auriez dû avoir une vidéo Shein aujourd'hui. Mais je préfère vous la mettre dimanche, donc vous l'aurez eu dimanche. Je ne sais pas si vous m'avez tout à fait compris. Bref. Donc moi je vous dis à demain. Je vous reprends demain. Je pense que demain je vous ferai une recette. Donc voilà, si ça peut vous faire plaisir. Donc coucou. Nous sommes le lundi. Le lundi de Pentecôte. Et il est quelle heure? Il est bientôt 19h. J'ai du mal à reprendre le vlog. Je vous ai même pas encore tourné la vidéo Shein que je devais vous mettre ce week-end. Du coup, j'ai réfléchi. Je vais pas vous mettre ce genre de vlog de 10 minutes où il n'y a pas grand-chose de ouf. Donc, ce vlog, vous l'aurez ce week-end. Et comme ça, cette semaine, je vais pouvoir vous mettre une ou deux vidéos, dont la vidéo Chine. Je me suis reposée parce que franchement, écoutez, je suis naze. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit en plus. Et hier, en fait, on a passé la journée avec nos amis et la princesse. Donc, on a profité et après, quand on est rentré, Mathias a regardé le foot. Et moi, je voulais aller absolument me coucher. Il était 23h. Oui, on n'a pas respecté le couvre-feu. Tant pis. Ça fait 1 an et demi qu'on respecte tout, qu'on ne sort plus. Alors là, franchement, tant pis, on s'en foutait. Et au pire, ça aurait été 135 €. Mais on a eu de la chance, on n'a pas eu la gendarmerie. Bref! Donc, ouais, je voulais me reposer parce que ce matin, il fallait que je me lève de bonne heure parce que j'ai été voir Mylène et j'ai refait mes ongles. Je trouve ça trop, trop joli. Donc, on s'est inspiré d'une manucure qu'on avait vue sur Insta et je trouve ça trop canon. Peut-être que d'ici le vlog, je vous aurais mis une photo sur Insta. Mais je trouve ça trop joli. Elle a fait des petites taches de couleur et par-dessus, elle a remis de la petite feuille d'or. Et je trouve que ça fait plutôt hyper naturel. Je trouve ça vraiment canon. Donc, je suis contente du talent toujours de ma petite Mylène. Donc, voilà. J'ai quand même rangé toute ma pièce ici. Truc de ouf. Et donc là, je me prépare parce que, eh bien, je vais aller au travail bientôt. Je reprends ce soir. Je vous parle pas encore trop de ma nouvelle routine soins parce que je viens juste de me remettre à une routine parce que j'ai terminé pas mal de produits. Et en faisant le tri en même temps, comment? En faisant le tri, j'ai jeté certains produits parce que franchement ils étaient périmés et on va arrêter de faire n'importe quoi. Du coup, maintenant, avant de racheter, je finirai les produits que j'ai parce que j'en ai pas acheté énormément, hein. J'en ai fini énormément surtout. Là, en une semaine, j'ai réussi à finir pas mal de tubes, donc c'est cool, vous le verrez dans les prochains produits terminés. Et du coup, vous voyez, j'ai tout ça, plein de petits produits pour l'hydratation de jour, de nuit, etc. Donc je vais utiliser tout ça entre mon calendrier qui est le calendrier Sephora que j'avais eu, que plein de produits que j'ai pas testés, des choses que j'ai achetées que j'ai toujours pas testées, etc. Donc j'ai envie de tester pour vous refaire des top flops dans 2 mois, admettons. Peut-être qu'il y a des produits de ouf là-dedans.
Donc voilà tout ce qu'on a fait ce week-end. Je suis allée aussi, vous savez, à Saint-Lô vendredi. Non. Je suis allée la semaine dernière. Mercredi. Non, jeudi. 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 Et j'étais à Kiabi et je me suis pris un petit pyjama. Donc ça, c'est le short. Tout rose pêche avec des petits cœurs. Il est en éco-conception. Moi, je l'ai pris en taille XXL. Donc, vous avez le short et le petit haut. Et c'est l'ensemble. Et je vais vous dire le prix. Truc de ouf. Vous voyez. Franchement, pour cet été, c'est trop bien. Et je voulais m'en prendre d'autres. Mais avant, je vais tester celui-ci sans plus tarder. Parce que ça ne coûte que 6 euros l'ensemble. Truc de fou. L'ensemble 6 balles, quoi. Et j'ai été faire un petit tour chez moi à Saint-Lô. Donc, c'est les mêmes gérants Saint-Lô et Hérouville du Carrefour. Et celui du Mans, au cas où ça vous intéresse. Moi, la gérante, je l'aime beaucoup. Enfin, on s'entend très, très bien. J'en ai eu pour 24,98 € et je me suis pris deux choses. Si j'arrive à faire quelque chose sans faire de conneries. Voilà. Alors, j'ai dans l'optique de me faire repercer. C'est quoi ces petits cheveux? Je voudrais me faire percer un troisième trou. Et que j'ai déjà deux trous par oreille. Voilà. Mais il y en a un qui est complètement bouché. Donc, j'essaye de passer tous les jours un petit peu. Je pense qu'à un moment donné, ça va percer sur cette oreille-là. Là, les deux trous sont nickel. Là, le deuxième est nickel, mais le premier, non. Je ne sais pas si vous me suivez. Bref, et je me suis pris ceci comme paire de boucles d'oreilles. Je trouve ça trop mims. C'est vraiment la mode, ce genre de petites boucles d'oreilles. Dedans, il n'y a pas de nickel, donc c'est cool. Et les trois paires de boucles d'oreilles coûtent 16,99 €. C'est en acier inoxydable. Et franchement, je les trouve plutôt très sympas. Vous voyez? Elles sont plutôt canons. Et ils en ont plein, plein d'autres. Donc, si je me fais repercer... un troisième trou, je retournerai la voir, soit là à Saint-Lô, soit à Hérouville. Mais je sais qu'à Saint-Lô, on parle au moins, il y a un peu moins de monde peut-être, et on parle beaucoup. Et je me suis pris une petite paire de créoles en argent. Toujours de l'acier inoxydable, toujours sans nickel, à 7,99 €, argenté. Et j'ai pratiquement les mêmes en doré, et je les aime trop. Vous savez, elles sont assez épaisses là, toutes rondes. Et je les avais achetées à Marseille, moi, mes dorés, et... je les adore. Franchement, cette année, il faut que je retourne dans cette boutique parce qu'il y avait des pépites. Et donc, j'en voulais une argentée. Et voilà, j'ai trouvé mon bonheur chez moi. Donc, j'en ai pour 25 balles chez eux. Ce qui est plutôt correct. Donc, voilà. Je pense que je vous reprendrai demain. Pour ce midi, j'avais fait un rôti avec des potatoes. Et ce soir, il reste du rôti, mais je le garde pour Mathias demain. Et ce soir, on fait une tarte au thon et... après, direction boulot. J'ai mis dans ce petit truc-là tout ce qui était masque. J'ai rangé comme je pouvais. Je trouve que c'est très bien rangé. Donc, c'est plutôt cool. Toujours ma petite plante. Ma plante Gerbera rouge que j'ai achetée il n'y a pas si longtemps que ça. Elle est morte. Hein. Et puis, voilà. J'aimerais bien me racheter un petit panier de ce genre-là pour mettre mes cotons sales. Et là, il y a toujours un côté avec plein de petits cartons qu'il faudrait que je le jette. Mais... il reste plus que ça à faire, disons. Donc voilà. Nous, on se retrouve dès demain. Et puis d'ici là. Enfin, non, pour vous, c'est dans une seconde. Donc à plus tard. Coucou. Nous sommes jeudi soir et je pars au boulot. Je vous ai pas du tout repris. Je vous ai pas du tout fait. Alors vous avez le soleil. Je vous ai pas du tout fait de vidéo cette semaine. Parce que j'étais de nuit et franchement. La nuit je bosse et la journée on a eu une réunion au travail, j'ai eu des rendez-vous, un rendez-vous gynéco, demain j'ai rendez-vous chez le dentiste, enfin franchement ça a été une semaine compliquée, je vous ai même pas pris vraiment en vlog, compliquée cette semaine, mais promis je vais revenir, j'ai vu que j'avais quelques DM Instagram, il faut absolument que je les regarde, je regarderai je pense ce soir à ma pause, mais ouais je... j'ai franchement pas eu le temps. Cette semaine j'étais fatiguée. Demain, du coup je finis demain matin, là je vais pour ma dernière nuit. Demain j'ai rendez-vous chez le dentiste. Samedi on a un rendez-vous hyper important avec Mathias. Vraiment très très important.
dimanche, voilà. Du coup, je vais essayer de vous mettre pas mal de vidéos en ligne avant ce vlog. Et après, il faut absolument que j'arrive à revenir sur YouTube parce que là, je me suis pris pratiquement 15 jours de vacances quand même. Donc voilà, j'ai une tête complètement fracasse, mais j'ai très très peu dormi cette semaine. Alors d'habitude, je dors un petit peu plus, mais là, j'ai pratiquement pas dormi. Donc voilà, de toute façon, je vais vous laisser parce que je sais qu'en voiture, on n'entend pratiquement rien et c'est chiant. Du coup, je vous reprendrai demain et j'espère que les vidéos et les vlogs suivants seront plus intéressants. Donc voilà, donc moi, je vous dis à demain. Coucou tout le monde, nous sommes le dimanche de la fête des nerfs et j'ai du mascara là. Voilà, ça y est, je suis revenue un peu sur YouTube. Je vous ai mis une vidéo Shein hier avec ma maman, spéciale fête des mères. Aujourd'hui, on reçoit Coralie et Pascal pour manger, donc normalement, j'ai tout préparé. On a racheté une friteuse électrique, mais maintenant, je ferai mes frites. Je trempe beaucoup, excusez-moi. Je ferai mes frites dehors, en fait, donc ça sera plus pratique. Tantôt, je vais vous montrer un peu ce qu'on a fait dehors. On a mis la tondeuse, vous savez, électronique. Ça y est, elle est en route. Et je me suis reposée quand même pendant ces 15 jours. Donc, ce sera un vlog sur 15 jours. Mais promis, maintenant, je reviens d'attaque. Demain, je vais chez l'esthéticienne, j'ai envie de vous dire, il est temps. Et j'ai mis, vous savez, une robe courbe en valeur avec de la dentelle là et de la dentelle en bas. Je vais demander à Coco de me faire des photos tout à l'heure. On a eu à Intermarché, parce qu'on a racheté une friteuse tout à l'heure, une petite rose. Et puis voilà, on a racheté ça comme friteuse. C'est une brante, donc on verra bien ce que ça donne. Hop, comme ça le carton, je vais pouvoir le ranger. Sinon, on fait une côte de bœuf avec de la salade et donc des frites. Ensuite j'ai fait quelques petits trucs en apéro, j'ai fait une fougasse, des petits toasts saumon Saint-Mauré et des feuilletés à l'escargot. Je ne fais pas d'entrée, après la côte de bœuf, frites, salade, fromage. Et en dessert, j'ai acheté des petits desserts à la pâtisserie parce que franchement je n'avais pas la force de faire des gâteaux. Donc voilà, je me suis un peu maquillée, un peu coiffée si on peut dire. Donc voilà, on va essayer de manger dehors parce qu'il fait beau. En tout cas, on va essayer déjà de prendre l'apéro dehors. Ça sera déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour le moment. J'ai pas grand chose à vous raconter. Hein. Voilà, on a eu 15 jours. Mathias a eu des vacances, donc on s'est vraiment reposé. Enfin, Mathias s'est reposé et j'en ai profité aussi. Et on était tous les deux, donc on a voulu profiter. Donc, pas grand-chose de ouf. Hier, j'ai fait des courses, mais je ne vous ai pas fait un retour de course parce qu'il y avait mes beaux-parents. Je ne me voyais pas faire un retour de course avec beau-papa et belle-maman à côté. Et puis, voilà. On a hâte d'être dans 3 semaines parce que dans 3 semaines, on part à Center Park avec mes beaux-parents et peut-être ma belle-sœur, mais on ne sait pas trop encore. En tout cas, nous, c'est sûr, on se casse. On va profiter parce que là, 6 mois 2021... comment vous dire que c'est 6 mois fatigant. Donc, on a envie de se reposer. Voilà. Bref, moi, je vous laisse ça pour tout de suite. Et puis, tantôt, je vous montrerai tout ça. Et peut-être que Coco vous fera un petit coucou. Qui sait. Coucou, on est lundi soir. Je vais essayer de vous mettre le vlog ce soir en ligne. Sinon, il sera demain matin. Je ne vous ai pas repris hier. On a profité. On a profité, les filles. Oui, je douille. Il n'y avait pas grand soleil hier en fait, mais il y avait du vent et on a mangé sur la terrasse. Bref, Coco et Pascal m'ont offert un trop joli bouquet. Franchement, il est canon. Oui, j'ai cramé. Mais il va falloir vous en remettre parce que moi, il va falloir que je m'en remette. Je n'ai pas dormi cette nuit tellement que ça me fait mal. J'ai reçu une commande Shein en partenariat que vous aurez pareil cette semaine. Mais avant, vous aurez un retour de course Grand Frais et Picard, normalement. Je vous montre l'extérieur, je vais vous montrer ça en musique parce qu'il y a du monde dehors, les voisins. Donc je vous montre ça en musique et après je vous reprends pour clôturer le vlog. Comme ça, je finis de le monter et j'essaye de vous le mettre ce soir. Là, il est 7h, je pense que pour 21h, vous l'aurez. Croisez les doigts pour que vous ayez une vidéo aujourd'hui. We'll be right back.
aussi l'entrée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai fait le ménage ici. On a fait la litière. Enfin, on a fait le ménage à l'intérieur. Et j'ai fait aussi la voiture. Je vais me poser. J'ai fait aussi ma voiture et j'ai été chez l'esthéticienne. Pareil, hier, ça fait du bien. J'ai hyper chaud. Ça, ça me brûle. Vous inquiétez pas. Je mets de la Biafine. Je mets pas mal de crème toute la journée. Et puis voilà, vous voyez, on n'a pas fait de trucs de ouf. J'ai lavé les draps, du coup, je vais aller les remettre également. Mais j'attends ma caisse parce qu'avec ça, vous voyez, je suis brûlée tout le bras. Hein. Et puis derrière, bref. Et ben, ça fait comme si j'avais porté, vous savez, des charges hyper lourdes. Et ça me fait des crampes, quoi. Donc, ma caisse va m'aider à faire le lit. Donc voilà. Je reprends bien entendu un vlog dès demain que vous aurez la semaine prochaine. Je reviens maintenant, vous inquiétez pas, sur YouTube. J'ai pris une pause, ça fait du bien aussi de temps en temps. Mais là, c'est reparti. Ça va beaucoup mieux. On est reposé mentalement, donc c'est cool. Bref, moi, je vous dis à mercredi, je pense, en vidéo. Oui, c'est sûr. À mercredi en vidéo et sinon, à très très bientôt. Bisous tout le monde.